m'appelle Monsieur Jean-Marie Moulumba. Je suis coordonnateur psychopédagogique au complexe scolaire Bon Départ et je suis aussi promoteur d'un centre qui s'occupe de l'enseignement inclusif, un centre scolaire Bon Espoir. L'autisme, c'est un trouble qui envahit le développement de l'enfant, qui apparaît avant l'âge de 3 ans, qui se manifeste par certains éléments qui sont observables, mais la condition, c'est que ces éléments doivent être perçus avant l'âge de 3 ans. L'autisme a 2 degrés. Il y a des enfants qui, sur le plan comportemental, ils sont très agités, ils sont très agressifs, ils sont très instables. Le placer dans une classe ordinaire avec les autres directement, ça peut perturber et l'ambiance de classe, ça peut perturber et les apprentissages. Les cas comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons une classe transitoire, une classe de transition où on va essayer de travailler sur des éléments qui peuvent stabiliser d'abord le comportement avant de l'intégrer dans la classe ordinaire. Pour cette année scolaire 2021-2022, nous avons dénombré 52 enfants autistes. On a dit 10% du chiffre d'affaires du mois d'avril. Ça sera pour rénover les classes qui incluent les enfants autistes à l'école Bon Départ. Donc c'était vraiment ça. On pensait faire 3 petites classes. Finalement, les clients étaient partants, ils ont apprécié l'idée et à chaque fois qu'on leur en parlait, ils sont vraiment dévoués, ils veulent acheter. Et du coup, ils ne parlent plus. C'est ça qui m'a étonnée parce que nos clients aiment trop parler de. On veut des discounts. À chaque fois, ils nous demandent des discounts. Mais ce mois-ci, quand ils arrivent, ils disent discounts, on leur montre les flyers. On dit, ah, mais c'est pour le mois bleu. Ah non, c'est bon, laissez tomber. Donc, ils veulent s'impliquer. Donc, du coup, on s'est dit, bah, allez, on va essayer de trouver comment faire pour les motiver. Bah, ça leur permet d'en savoir un peu plus parce que la plupart disaient qu'ils ne savaient pas. Ou alors, ils disaient, c'est des enfants handicapés. Ou alors, c'est des enfants malades mentales. Enfin, bref. La campagne était bien parce que chaque jour, ils apprenaient quelque chose et il y a des clients qui viennent, le mot est dans la tête. Tu vois, il y en a qui reviennent, hein, je me suis renseignée, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup finalement à Kinshasa. Oh, mais finalement, j'ai quelqu'un que je connais qui a un enfant autiste, mais je ne savais pas. Donc du coup, il y a quand même l'information qui est en train de passer. Et pour maximiser maintenant nos chances pour pouvoir leur donner des classes, là, parce que ça me faisait mal au cœur de pouvoir donner qu'une classe. Pour maximiser nos chances, on s'est dit, on va aller sur une vente privée pour clôturer l'année. Pour demander aux clients qui n'ont pas encore acheté, et comme c'était la fin du mois, bah de pouvoir acheter quelque chose. C'est comme ça qu'on s'est dit, on le fait sur 3 jours, et demain c'est férié, donc les clients sont quand même passés. Comment faire face à l'autisme? Actuellement, il n'existe aucun traitement médicamenteux pour l'autisme. Le handicap est donc présent toute la vie, y compris à l'âge adulte. Mais il existe des approches éducatives, comportementales et développementales qui agissent sur le symptôme. Pour accompagner la Fondation Autisme RDC dans la rénovation de classes qui pratiquent l'inclusion au sein de l'école Bon Départ à Limiti dans la ville de Kinshasa, la boutique Fast Jeune a organisé du 28 au 30 avril 2022 une vente privée caritative de 17h à 20h30 pour soutenir la campagne Go Bleu. Cette dernière a eu lieu au cœur du centre-ville de Kinshasa, au 115 avenue Colonel Béa, à côté de l'hôtel de ville. Bah, l'autisme, c'est une cause qui me tient à cœur depuis longtemps. Parce que autour de moi, il y en a, tu vois, surtout mon fils. Mon fils, il est autiste, donc du coup, automatiquement, bah, l'autisme, ça fait partie de ma vie. Et le mois d'avril, comme c'est tombé au mois d'avril, et c'était le mois de l'autisme, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se prévoyait. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça serait bien de penser aux personnes autistes, par exemple, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et on s'est renseigné, on a vu qu'il y a une école qui est pas mal, une très bonne école, l'école Bon Départ, qui pratique l'inclusion. Mais j'ai vu que
les moyens n'y étaient pas. C'est comme ça qu'on s'est dit, on va essayer de voir avec les peu de moyens qu'on avait pour pouvoir les aider à rénover les quelques classes qu'ils ont, qui incluent les enfants autistes. Mais au lieu de faire la promotion qu'on fait d'habitude, d'apporter 10% aux clients, on s'est dit cette fois-ci, on va pouvoir contribuer avec les clients. Les clients vont acheter sans pourcentage, sans avoir des réductions. Mais au lieu qu'ils aient des réductions, cette fois, ces 10% ira pour la bonne cause. Donc oui, on le fait avec les cœurs, mais ce qui me plaît encore plus, c'est que les clients participent. Une vente privée caritative au profit d'une idée de réfection. Un fort engouement constaté dans le magasin. L'engouement, il y en a beaucoup vraiment. Depuis qu'on a commencé avec la campagne, on voit beaucoup de clients qui essayent de contribuer et ça se passe plutôt bien. À l'entrée de la boutique, une boîte autisme RDC. Kevin, un agent marketeur de Go Fashion, nous renseigne de son rôle de sensibilisateur de la campagne Go Bleu. Moi, en tant qu'agent marketeur, je suis en train de jouer le rôle de sensibilisateur aussi. Tous les clients qui rentrent par ici pour acheter des articles, je leur parle de ces 3 journées que Go Fashion organise des ventes caritatives. Je leur montre l'importance de ces ventes et le but précis de ces ventes. Et puis, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, leur parler de cette vente caritative. Ceux qui étaient informés bien avant, ils viennent parce qu'ils sont touchés par ça. Et ceux qui sont abordés sur place, ils sont intéressés par cette campagne Go Bleu parce que vu l'ampleur et vu l'importance qu'a cette campagne, il y a vraiment des gens qui s'y intéressent et qui ne connaissaient même pas. Ils aiment y participer et puis donner leur pierre à l'édifice. En bleu vêtu, Sandra Kachema, la directrice générale de Go Fashion, met aussi ses mains dans la pâte. Elle sensibilise et pose un ruban bleu à la partie gauche de la poitrine du vêtement de ses clients pour symboliser la campagne Go Bleu. Alors, nos clients, en fait, en général, ils aiment bien demander des réductions. Les clients, ils sont tout le temps, ils demandent, on peut avoir 10%, on peut avoir des réductions et tout. Mais dès qu'on leur dit que c'est pour une bonne cause, ils ne veulent pas entendre parler de réductions. Ils ont dit, ah, si c'est ça, on est prêt à faire ce qu'il faut. Donc voilà, moi, ça me plaît. Je me suis dit, pour une bonne cause, tout le monde est prêt à renoncer à sa petite réduction et faire ce qu'il faut. C'est la toute première fois que moi, je le fais ici à Kinshasa. Et peut-être qu'il y a d'autres entreprises qui les ont fait, mais je ne sais pas. En tout cas, pour les clients, ils disent que c'est une première. Et c'est ça qui le plaît. Certaines personnes trouvées sur place se disent satisfaites de l'initiative et se plaisent de participer à la campagne Go Bleu en payant des articles pour contribuer directement à la bonne cause. Franchement, je trouve que c'est quelque chose à féliciter, premièrement, parce que 10% de son chiffre d'affaires reverse à une œuvre caritative, peu importe laquelle, c'est un geste d'une énorme générosité. Après, la cause choisie, moi, elle me touche directement. Sachant que j'ai ma mère qui est autiste de naissance, donc pour moi on n'aurait pas pu choisir meilleure cause que celle-là. Et le troisième pan, qui est de réaffectionner des classes d'école, je trouve ça, franchement, quel mot je pourrais te donner ? Fantastique, enfin il y a plein d'adjectifs qui me viennent en tête. Si on est citoyenne engagée, des causes pareilles ne peuvent que nous toucher. Et on veut forcément y participer. Écoutez, je suis très honoré. Je me sens privilégié d'avoir l'opportunité de pouvoir contribuer. Les 10% de recettes du mois d'avril que Go Fashion veut reverser pour la cause, c'est honorable. C'est une belle initiative. C'est rare que nous puissions vivre ça comme ça. Et pour nous, pour moi particulièrement, c'est vraiment louable que je le dis. C'est vraiment un geste louable. Et en ayant appris qu'il y avait cette campagne, je me suis dit pourquoi pas. On vient généralement acheter des petites choses, mais là on s'est dit pourquoi pas, pourquoi ne pas contribuer à cette œuvre, parce qu'il s'agit bien du bien-être des enfants, mais aussi pour pouvoir arranger les salles de classe comme on a dit. Et donc pour moi c'est une fierté, c'est louable et voilà. Donc je contribue avec toute la joie qu'il faut, toute la joie derrière d'avoir contribué à une bonne cause. J'en ai acheté beaucoup pour être sûr que je donne une contribution proportionnelle à ce que je peux faire. En tant que femme, déjà, c'est toujours un plaisir de soutenir des bonnes causes. Okay ? J'ai mon neveu qui est autiste et je ne peux pas ne pas venir pour soutenir ce genre de cause. En achetant ceci, nous allons aider à cette école à se développer
à ses enfants de pouvoir continuer à être bien éduqués. Et pour moi, c'est le plus grand plaisir, voilà, tout simplement. Personnellement, je dirais que c'est vraiment des initiatives à encourager. Vous savez, Go Fashion vient de commencer, mais déjà, c'est lancé comme ça sur des bonnes causes. L'autisme, c'est quelque chose dont on n'en parlait presque pas ici en RDC. Je dirais que la population n'est presque pas informée par rapport à cela. Mais avec Go Fashion aujourd'hui, elle a vraiment emmené cette connaissance-là, un éveil d'esprit par rapport à ce qui se passe. Et encore plus, elle est en train de supporter la cause des enfants autistes. Ça, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Voilà pourquoi nous sommes là aussi, question de pouvoir emmener notre petite pierre de construction dans ceci. Ça fait toujours plaisir quand on sait qu'on peut aider de manière indirecte des personnes qui sont en difficulté ou des situations qui sont ignorées, surtout dans notre pays, surtout en Afrique, au Congo. Et venir acheter quelque chose en sachant qu'il y a une partie qui va bénéficier à des enfants autistes particulièrement ce soir, ça fait un grand plaisir. Ben, écoutez, c'est toujours une joie d'abord en tant que client de venir se faire plaisir pour s'acheter des belles choses. Mais lorsqu'on sait qu'on achète des belles choses pour une très très belle cause, alors là ça change encore tout. C'est tellement un plaisir d'aider les autres, de participer à ce qui concerne l'épanouissement de l'autiste. Voilà. En achetant les articles à la boutique Go Fashion, chaque client contribue à la cause autiste et leurs proches et encourage à la sensibilisation. Le 10% du chiffre d'affaires du mois d'avril 2022 serviront de financement pour rénover une école spécialisée. Une personne sur 100 est autiste en République démocratique du Congo. L'autisme n'est pas encore connu par tous. Go Fashion est un commerce et non une fondation. Et en moins d'un an de fonctionnement et n'ayant pas encore fait le bilan, le partenaire officiel de Max Fashion à Kinshasa souhaite réaliser ses projets de rénovation de classe de l'école Bon Départ Limité avec Autisme RDC, une fondation existante. Go Fashion et Autisme RDC tiennent à impacter économiquement mais aussi socialement. Il s'agit d'un exemple de synergie entre deux secteurs qui n'ont rien à voir. Disons que moi, en tant que présidente de la fondation Autisme RDC, j'avais à cœur de rénover le milieu, enfin d'avoir un impact positif dans le milieu scolaire des enfants qui vivent avec ce handicap. Et donc il s'agissait de réunir des fonds pour rénover d'un point de vue matériel déjà les classes qui pratiquent l'inclusion ici en République démocratique du Congo. Et Go Fashion en tant qu'entreprise avec de très très bonnes intentions, certes économiques, mais aussi qui a pour à cœur d'avoir un impact social, on s'est mis ensemble et on s'est dit que nous allons faire cette récolte de fonds ensemble. Et Go Fashion s'est proposé à ce moment-là de dédier 10% de leur chiffre d'affaires pour le mois d'avril à cette cause, à cette belle cause. Donc du coup, ces trois jours sont donc de tout le mois d'avril, c'est les trois jours qu'on a choisis pour initier donc cette vente privée, pour booster un peu les ventes, histoire de maximiser nos chances d'atteindre notre but, qui à la base était de rénover trois classes, mais peut-être un peu plus. À en croire la directrice générale, Go Fashion a proposé de réserver une partie du prix d'un produit à une organisation caritative afin de financer une bonne cause. Et cela n'a pas entraîné la majoration de prix. En fait, quand on a atteint, une marge, hein, quand on a atteint une certaine marge, on peut se permettre de faire des discounts pour pouvoir évacuer les stocks qu'on a. C'est comme ça qu'on s'est dit, au lieu de faire ce rabais là, comme on fait d'habitude, on va garder comme on fait, mais cette fois, on va pouvoir offrir les 10% à cette école, à ce projet-là. On essaie chaque fois qu'on a une campagne d'approvisionner les stocks au maximum, parce qu'il y a plus d'afflux de clients que d'habitude. Alors ce qu'on a fait cette fois-ci, on a essayé d'approvisionner les shops plus en vêtements de couleur bleue. Et on a vu quand même, il y a beaucoup de clients qui... parce que la plupart des gens qui faisaient des interviews, étaient en chemise bleue ou en vêtements bleus. Donc la plupart des clients étaient intéressés à acheter des habits bleus. Donc c'est ce qu'on a fait pour cette fois-ci. Et on a vu que ça répond bien, que la plupart des clients sont en train de s'intéresser aussi à l'autisme et à soutenir cette campagne que nous sommes en train de faire. En tant qu'une jeune entreprise et en moins d'un an en République démocratique du Congo, Go Fashion s'élance déjà à des œuvres caritatives
et cela pourrait servir d'exemple pour certaines firmes existantes avant elles. Go Fashion est en train de donner une leçon de responsabilité sociétale. Cette jeune société est en train de démontrer ce que chaque citoyen et chaque société dans cette ville devrait faire. Ça veut dire rester sensible à la communauté, à une cause sociale de la communauté. Je pense simplement que c'est une innovation sociale et c'est très important. On devrait en parler davantage pour que d'autres sociétés se rendent compte qu'il n'est pas question de taille ni d'âge, il est question d'avoir le cœur. Et je pense que travailler sur une cause sociale comme l'autisme est quelque chose d'extraordinaire. Le risque, toutes les entreprises ont des risques. Mais certainement qu'en faisant ce geste-ci, il y a des gens qui vont découvrir l'entreprise. Et derrière, il n'y a pas que ça, mais c'est se mettre en lumière aussi quelque part. Le but n'était pas de se mettre en lumière, mais c'était déjà pour une bonne cause. Et je pense qu'en découvrant, les gens, ils auront cette envie de toujours revenir, parce qu'on revient généralement vers des gens que nous trouvons qui sont poussés à des causes humaines. Et donc, en le faisant, nous pensons que quelque part, nous reviendrons même en dehors de la campagne, nous reviendrons parce que c'est déjà un bon geste que de pouvoir le faire. Nous, nous encourageons ça. Ça se fait cette année, que ça se fasse les années suivantes, que ça se fasse quand on vient pour les grandes fêtes, par exemple les fêtes de Noël, de Nouvel An. Pourquoi ne pas aussi le refaire à ce moment-là? Je pense que c'est une fois qu'elle le fait, mais qu'elle le fera toujours, l'entreprise le fera et elle le fera encore. Et en le faisant, les gens reviendront et ils reviendront toujours. Une jeune compagnie qui a commencé à moins d'un an en République démocratique du Congo, mais ils veulent déjà œuvrer pour aider les autres. Et moi, je me sens privilégié de pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir aider les autres, ce que moi j'appelle les enfants de la République. Je ne veux pas parler d'un certain handicap, moi je parle des enfants de la République. Et moi, c'est une bonne nouvelle d'entendre que des autres enfants de la République pensent aux autres, à ceux qui ne sont pas en mesure de se protéger eux-mêmes. Voilà. On peut l'encourager, hein. C'est vrai que c'est une jeune entreprise, mais quand on voit déjà comment ça a été fait, on n'a rien à envier à ceux qui sont à l'étranger en fait, c'est déjà ça. Et puis de voir aussi que cette entreprise soutient ce genre de cause, comment ne pas applaudir? Vous savez, aujourd'hui, même les plus grandes entreprises qui construisent des empires économiques, écoutez, même eux, ils ont, s'ils n'ont pas un département social, en tout cas, ils ont à cœur d'impacter dans le secteur social, même si à la base, ça n'a rien à voir avec leur activité. Alors, ce qui se passe, c'est que par cette première collaboration, nous sommes aussi en train d'inciter d'autres partenaires, d'autres entreprises à rejoindre cette belle cause qui est l'autisme aujourd'hui, mais je vais même plus loin, à rejoindre n'importe quelle cause sociale qui leur tient à cœur. Vous savez, la collaboration entre la Fondation Autisme RDC et Go Fashion, c'est un exemple concret du fait qu'il y a plusieurs façons de mobiliser des fonds, il y a plusieurs façons d'impacter socialement, et si l'exemple de l'implication de Go Fashion peut donner envie à d'autres entreprises d'impacter dans des causes sociales, évidemment l'autisme, mais aussi d'autres, ce serait avec un grand plaisir. Limite, nous sommes même carrément disposés à leur dire les différentes étapes que nous avons dû respecter pour atteindre cet objectif. Donc vraiment, le but, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est filmé, que vous êtes là aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer qu'avec la volonté, on arrive vraiment à faire des belles choses. Go Fashion est un shop spécialisé dans la distribution de vêtements, accessoires, lingerie, produits de beauté pour enfants et adultes de 0 à 70 ans. Son ambition a toujours été de proposer à ses clients une mode tendance, de qualité et accessible à tous, au niveau de vie d'un Congolais moyen, allant de 1 à 55 dollars. Et Go Fashion, je pense que ceux qui ne connaissent pas, je les invite à venir voir. Il y a des articles merveilleux, des articles super et à bon marché, évidemment. Et voilà, c'est recommandable. Franchement, je recommanderais les gens à venir et à venir encore très nombreux. Go Fashion et l'accueil, bien sûr. La propriété dans le magasin, très lumineux. Vraiment, on se sent à l'aise. On est à l'aise. Go Fashion est une première boutique d'habillement avec les normes internationales dont les investisseurs sont congolais et en plus dirigée par une femme. C'est le partenaire de LMG, Landmark Group, présent au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde, possédant plus de 2300 points de vente dans 22 pays avec 50 000 employés et 46 brands dont Splash, Max Fashion et Baby Shop.
pour l'école, ça me tenait à cœur. C'est quand même l'éducation, on parle de l'éducation des enfants, donc ça me tenait à cœur. Je me suis dit, on va aller jusqu'à accompagner vers les rénovations d'une petite école. Ça, c'était plus profond pour moi.